Salut les yogis, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cette année sera peut-être un peu plus paisible que l'année 2023. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous envoie tous mes vœux et je vous envoie plein de lumière et plein de belles choses pour cette année qui commence. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce que je vous propose pour commencer l'année, eh bien, c'est une séance en douceur pour débutants. Mais évidemment, si vous n'êtes pas débutant et que vous avez simplement envie de remonter tranquillement sur votre tapis, eh bien, soyez les bienvenus. C'est une séance où on va créer de l'espace pour notre intention de cette année, créer de l'espace dans le corps. Donc on va travailler avec une intention, voilà, on appelle ça une bonne résolution. En yoga, on préfère parler d'intention. Et donc voilà, on va travailler au niveau du corps à créer cet espace et pour ancrer le renouveau dans notre corps, dans notre mental. Voilà. Et pour cette séance de yoga, vous aurez besoin de deux briques et d'une sangle et également d'une couverture que je vous invite d'ores et déjà à rouler en forme de boudin, comme vous voyez, et que vous pouvez déjà poser sur votre tapis. On va commencer par un petit exercice respiratoire avec la respiration dirgha, la respiration en trois parties. Donc, vous pouvez vous asseoir sur une brique que vous placerez sous vos fessiers de manière à avoir le bassin au-dessus de vos genoux. Et si vous préférez, vous pouvez aussi vous asseoir sur une couverture pliée, mais de manière à avoir les fessiers surélevés. Vous pouvez soit croiser les tibias devant vous, soit ramener un talon l'un devant l'autre. Je vous invite à fermer les yeux ici, à relâcher vos mains sur vos cuisses, à ramener le bassin légèrement vers l'avant. Allongez votre colonne vertébrale. Ouvrir le cœur, le sternum. Relâchez les épaules. Allongez la nuque. Et ramenez très légèrement le menton vers la gorge. Et on va doucement rentrer dans la respiration dirgha. On va respirer avec le nez ici. Et on va sentir à l'inspiration le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, le souffle monter dans le bas des côtes, milieu des côtes, haut des côtes, et le souffle remonter jusque dans le sternum. N'hésitez pas à placer une main sur votre ventre et une main sur votre sternum pour vous aider à sentir. Vous pouvez aussi placer vos mains de part et d'autre de vos côtes si vous avez du mal à sentir le travail des côtes. En fonction de ce que vous avez envie de ressentir un peu plus physiquement, placez vos mains à ces endroits stratégiques. Donc pensez à l'inspiration ventre, côte, sternum. Et à l'expiration, ramenez doucement le nombril vers votre colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Sentez les côtes se fermer, le sternum s'abaisser. Et ici, comme notre thème, c'est de chercher à créer de l'espace dans le corps, essayez de sentir à quel point l'inspiration vient créer de l'espace, mais vraiment en trois dimensions dans le corps. Dans le ventre, sentez que le souffle occupe l'avant des côtes, le côté des côtes et l'arrière des côtes, jusque dans l'espace entre les omoplates, en haut du dos. Mais sentez aussi le travail du diaphragme, ce muscle, le muscle de la respiration qui travaille comme un soufflet ou comme une cloche aussi en forme de ou de parachute. C'est plus, le parachute est peut-être plus adapté puisqu'il est en lien avec l'air.
Donc à l'inspiration, le diaphragme s'aplatit pour ouvrir les poumons. Et à l'expiration, le diaphragme se redevient une cloche pour vider les poumons. On va faire encore 3 cycles comme ça, 3 profondes respirations ventre, côte, sternum. Puis à l'expiration, on ramène doucement le nombril vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Et pour prendre une profonde inspiration dans le ventre, relâchez les mains sur les cuisses. Relâchez un instant le souffle pour accueillir les échos de la respiration dirgha, la respiration complète sur votre corps et votre mental. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Enlevez la brique qui se trouvait sous vos fessiers pour venir vous allonger sur votre couverture. On va placer la couverture entre les omoplates, le long de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à éloigner un petit peu vos fessiers de la couverture pour décambrer le bas du dos. Vous pouvez soulever les fessiers. Ramenez le pubis vers le ciel, puis relâchez le sacrum au sol. Et vous pourrez soit garder les jambes fléchies, soit tendre les jambes. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Dans tous les cas, on va placer les bras en cactus, les bras à 90 degrés, sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Et on va revenir à notre respiration complète ici, ventre, côte, sternum à l'inspiration. Et doucement, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale à l'expiration. Toujours dans cette perspective à l'inspiration de créer de l'espace dans le corps. Vous pouvez aussi créer un son léger avec l'arrière de votre gorge, un son qui ressemble aux vagues de l'océan. Et à partir de cette respiration profonde et consciente, je vous invite à laisser émerger en vous une intention. Ça peut être une intention pour cette pratique de yoga. Ou ça peut être une intention plus générale pour cette année. Peut-être que vous avez déjà pris une bonne résolution et que vous avez envie de vous la répéter ici et maintenant. Essayez de trouver une phrase positive, simple, positive. Quelque chose qui résonne en vous et qui soit assez spontané. Si vous n'avez pas de résolution ou d'intention, eh bien, ça n'est pas grave. Restez simplement avec votre respiration profonde et consciente.
Je vous invite à prendre une dernière profonde inspiration ici. Profonde expiration. Fléchir les genoux. Et enrouler sur le côté, prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez, hop, mettre de côté votre couverture. On croise les tibias et on vient à quatre pattes. Les genoux à la largeur des hanches, les mains bien ancrées sous les épaules. On va commencer par un shavasana pour bien commencer l'année. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on éloigne des épaules, des oreilles, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le menton vers la gorge, on ramène le bassin vers l'avant. Inspire, on ouvre le cœur. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. Petite torsion pour créer de l'espace dans le dos. On ancre la main gauche dans le sol et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. On ouvre le bras vers le ciel. On se grandit, on pousse dans la main gauche. Expire, on ramène le bras droit sous le bras gauche et on vient de déposer l'épaule droite et le bras droit au sol. On relâche la tête. On va essayer de garder les hanches sur une même ligne. Et à nouveau, à l'inspiration, on pousse dans la main gauche. On se redresse, on ouvre le cœur, on ouvre le bras vers le ciel. Expire, on passe le bras sous le bras gauche. On relâche la tête, on relâche le bras. On replace les hanches si nécessaire. Inspire, encore, on ouvre le cœur, on se grandit. Expire. Inspire. Expire. On va rester ici un instant. On garde les hanches là sur une même ligne. Et vous pouvez soit rester ici, soit poser le bout des doigts de la main gauche au sol et chercher à ramener l'épaule gauche vers le ciel. Ou pourquoi pas, venir placer votre main gauche, soit sur le sacrum, le bas de la colonne vertébrale, et chercher à ouvrir le cœur, à ouvrir l'épaule gauche, ou attraper le haut de la cuisse droite avec la main gauche. Et on va chercher dans tous les cas à ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire. Et à l'expiration, on relâche la main gauche au sol et on revient à quatre pattes, on replace la paume de main droite au sol. Même chose de l'autre côté, à gauche, inspire bras gauche vers le ciel, on se grandit, on ouvre le bras. Et expire, on passe le bras gauche sous le bras droit, on relâche l'épaule droite au sol, on relâche la tête. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, torsion. Inspire. Bras gauche vers le ciel. On se grandit. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche l'épaule gauche au sol, on relâche la tête au sol. Soit on fait une petite coupelle avec la main droite et on ouvre l'épaule droite vers le ciel. Soit on vient placer le dos de la main droite sur le sacrum, on ouvre l'épaule gauche
l'épaule droite vers le ciel. Ou alors on vient attraper le haut de la cuisse gauche avec la main droite et à nouveau on cherche à ouvrir l'épaule droite. On respire, profonde inspiration, profonde expiration, profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol et la main gauche au sol. Et on revient à quatre pattes. Et on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient au chien tête en bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu notre chien tête en bas pour créer de l'espace au niveau des épaules et du dos. À l'inspiration, on va lever les talons vers le ciel le plus haut possible. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux. Et on va chercher à ramener le ventre vers les cuisses. Et automatiquement, ce mouvement va nous obliger à ramener les épaules vers le sol. Donc ça va faire travailler l'ouverture des épaules. On relâche bien la tête et on respire. À chaque inspiration, sentez que vous créez de l'espace entre vos omoplates dans le haut du dos. À chaque expiration, ramenez un petit peu plus vos épaules vers le sol. Dernière inspiration. On essaye ou on tend les jambes et doucement à l'expiration, on vient marcher vers l'avant du tapis. On place les bras, les pieds à la largeur des hanches. Et à la prochaine inspiration, on vient placer les mains sur les genoux pour se redresser à mi-chemin. On allonge la colonne, on allonge la nuque, on éloigne les épaules, les oreilles. Imaginez que vous voulez creuser le bas de votre dos. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses et les doigts vers ou sur le sol. Nuque relâchée, mais le reste du corps est actif. Inspire à nouveau, on place le bout des doigts sur les genoux et on allonge le dos. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, vous pouvez le faire peut-être sans les mains et pourquoi pas ouvrir les bras sur le côté. Ou si c'est un peu trop intense, gardez les mains sur les genoux. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Et une dernière fois, inspire. Expire. On fléchit les genoux, on pousse avec les pieds dans le sol et on va redresser la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On va venir en guerrier 2, Virabhadrasana. Donc les orteils arrêtés du pied arrière à 45 degrés, légèrement vers l'avant du tapis. Et le pied droit, orteil, le pied parallèle au bord du tapis. Les hanches sont ouvertes ici. On place les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On regarde droit devant soi, on prend une grande inspiration, se grandit dans toutes les directions. Expire, on fléchit le genou droit. Et à l'inspiration, on vient placer la main gauche sur la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Et on va étirer tout le flanc droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Trois respirations en dégageant bien l'épaule droite pour le guerrier renversé. Activez bien vos jambes pour vous aider. Respirez, créez de l'espace dans les côtes à droite. Yes, une dernière inspiration, on s'étire. Et à l'expiration, on revient buste au centre. Inspire, on tend la jambe droite et on vient fermer un petit peu les pieds. Mais on garde les pieds dans la même position, c'est-à-dire pied arrière à 45 degrés. On décale les pieds si ce n'était pas déjà le cas. Dans tous les cas, c'est important de décaler vos pieds pour avoir de la place pour les hanches. Uttita Trikonasana, posture du triangle. On ouvre toujours les hanches, bras parallèles au sol,
Paume de main toujours vers le sol. Grande inspiration, on allonge le buste comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Et on vient placer la main droite sur la jambe droite, soit sur la cuisse, soit sur le tibia, pourquoi pas sur la cheville. Bras gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel si c'est OK pour la nuque, sinon on regarde vers le sol. Les pieds sont actifs, on prend une grande inspiration ici et à l'expiration, on va allonger le bras gauche parallèle au sol, paume de main tournée vers le sol. Et l'idée, ça va être de créer de l'espace entre la hanche gauche et le bout des doigts de la main gauche. Respirez bien. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds, on active le ventre et on redresse le buste tranquillement. On va fermer les pieds. Vous pouvez garder à peu près la même distance au niveau des pieds. Sauf qu'ici, les pieds sont parallèles, talons légèrement vers l'extérieur, orteils légèrement vers l'intérieur. Prasarita Padottanasana. On place les mains sur les hanches. Grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Et on va relâcher le bout des doigts vers ou sur le sol. Même si c'est frustrant ici, on va garder les jambes tendues. Même si vous avez du mal, si le sol vous semble très très loin, c'est pas grave. Essayez de relâcher le haut du corps. Gardez vos jambes actives, mais relâchez la tête, relâchez les épaules. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et à l'inspiration, on redresse le buste à mi-chemin, on fléchit légèrement les genoux, on place les mains sur les hanches à l'expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Et on est prêt pour continuer de l'autre côté, notre petite série guerrier triangle. Donc on écarte un peu plus les pieds, on place le pied arrière à 45 degrés, donc les orteils légèrement vers l'avant. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol, grande inspiration, on se grandit. Expire, on fléchit le genou gauche. Et à l'inspiration, on vient en guerrier renversé, main droite sur la jambe droite. Et bras gauche vers le ciel, puis dans la direction du buste. Donc l'idée, c'est vraiment d'étirer tout le flanc gauche, d'ouvrir l'épaule gauche, de respirer en gardant la jambe gauche bien fléchie. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Expire, on tend la jambe avant. On ferme un petit peu les pieds. On vient en triangle. On ouvre les hanches. Même position pour les bras. Grande inspiration, on allonge le buste. Et on vient placer la main gauche sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel. Donc soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit sur la cuisse gauche. Si vous n'avez pas de problème de genou, tendez la jambe gauche. Si vous avez un genou fragile, vous pouvez micro-fléchir la jambe avant. Profonde inspiration, on se grandit, on allonge le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on allonge le bras droit dans la prolongation du buste. Et on cherche à éloigner la hanche droite du bout des doigts de la main droite, tout en tournant le cœur vers le ciel. Et à l'inspiration, on redresse le buste en poussant dans les pieds. Et on ferme les pieds, les orteils légèrement vers l'intérieur, talons légèrement vers l'extérieur. Prasarita Padottanasana, les mains sur les hanches. Grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Et on va crocheter, on va utiliser l'index, les index et les majeurs. Que pour placer ses doigts autour des gros orteils. Et c'est donc la deuxième phalange des doigts qui vient reposer au sol. Paume de main tournée vers l'intérieur. Je répète, paume de main tournée vers l'intérieur. J'ai beaucoup d'élèves qui font comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Bref, n'hésitez pas, si vous avez du mal ici à placer vos doigts autour des orteils, à fléchir franchement les genoux.
Poids du corps légèrement vers l'avant, on prend une profonde inspiration, on allonge la colonne, expire, on plonge à nouveau en avant et on va tirer les coudes vers l'extérieur, comme si on cherchait à ouvrir des portes coulissantes à l'arrière du dos. On vient créer de l'espace entre les omoplates. Respirez bien. Tirez, tirez, tirez les coudes vers l'extérieur. Imaginez que quelqu'un vous tire les bras de chaque, dans deux directions différentes. Et à l'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on fléchit les genoux. Si ce n'est pas déjà le cas, on place les mains sur les hanches. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Yes. Et on va venir s'asseoir au sol. On va prendre notre sangle pour Janu Shirshasana. On allonge la jambe gauche devant nous, on fléchit la cheville droite et on vient placer la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Et on va utiliser notre sangle qu'on va venir placer à l'arrière du pied gauche. Si vous avez déjà du mal à maintenir le dos droit ici, placez une brique ou une couverture pliée sous vos fessiers pour vous aider. Donc on place notre sangle au niveau du coussinet du pied gauche. Et on va ici chercher à redresser le bas du dos. On ne va pas chercher à aller plus loin. On va chercher à tirer les coudes vers l'arrière, le long du buste. On pivote légèrement le buste face à la jambe gauche. Et à chaque inspiration, on se grandit, on éloigne les épaules des oreilles. Et on cherche à ramener le bassin vers l'avant. Yes. Et en même temps, gardez bien votre jambe droite active, cheville droite fléchie. Cherchez à ramener le genou vers le sol. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus, créez de l'espace, revenez à la respiration qu'on a fait en début de séance. Sentez que le souffle vous aide à vous grandir. Dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche et on passe de l'autre côté. On fléchit la cheville gauche et on allonge la jambe droite. On vient placer la sangle à l'arrière du pied droit, sur le coussinet du pied droit. Profonde inspiration, se grandit, expire. On cherche à se grandir encore plus en ramenant les coude le long du buste. Ouvrez le cœur. N'oubliez pas de ramener légèrement le buste vers la jambe droite. Il y a une légère torsion qui s'effectue ici. Yes, une dernière profonde inspiration. Et doucement, à l'expiration, vous pourrez relâcher la posture. Et on va prendre nos deux briques. Alors, au choix, soit vous pouvez travailler avec les deux briques, je vais vous montrer comment, soit vous pouvez refaire la posture qu'on a fait en début de séance avec la couverture entre les omoplates. Là, on va intensifier un petit peu notre ouverture du cœur. Donc on va prendre deux briques qu'on va placer comme ceci. Alors vous verrez, vous avez plusieurs options possibles. Vous pouvez soit placer une brique sur la face, soit sur la tranche. Et l'autre brique, on va la placer sur la longue tranche. C'est là où notre tête va reposer. La première brique, en fait, on va la placer de manière à ce qu'elle soit là où vos côtes commencent, entre les omoplates. Donc sentez un petit peu là où vos côtes se raccrochent à votre colonne vertébrale, parce que ensuite les côtes elles descendent beaucoup, hein. Mais c'est à peu près au milieu du dos, un peu plus, hein, légèrement plus haut que le milieu du dos. Et on vient s'allonger comme ceci sur la brique et on laisse la tête se relâcher sur l'autre brique.
Yes. Donc si c'est trop intense, placez la briquet sous le dos, sur la face, sur le grand côté de votre brique. N'hésitez pas à modifier un petit peu l'emplacement de la brique. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous pouvez décambrer, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, relâcher le sacrum au sol et garder les genoux fléchis. Ou alors allonger les jambes et placer vos bras en cactus à 90 degrés. Et on va revenir à la respiration dirgha, la respiration complète. Ventre, côte, sternum. Vous pouvez revenir à votre résolution, à votre intention et vous la répétez 3 fois mentalement. Puis fléchir les genoux, rouler sur le côté, enlever vos briques et relâcher le dos au sol. Comme c'est bon, ramenez vos cuisses sur le ventre. Ah. C'est vraiment des postures qui nous enseignent l'impermanence des choses. L'inconfort, le confort, tout ça sont des choses qui sont impermanentes. Et vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos pour la relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir, à placer une couverture sur vous. Ou à placer un support sous vos cuisses si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos. Fermez les yeux. Relâchez le souffle complètement. Abandonnez tout effort pour respirer. Laissez votre corps s'abandonner complètement sur la terre. Pendant un instant, laissez-vous aller au fait qu'ici, il n'y a plus rien à faire, plus rien à accomplir. Personne à satisfaire, nulle part où aller. Thank you.
Je vais vous inviter à prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres pour venir réveiller votre corps. Vous pourrez reprendre contact avec vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pourrez rouler sur le côté, en chien de fusil. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis, on propose de terminer cette séance, cette première séance de yoga de l'année avec le son Om. Vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement écouter, les pouces joints sur le cœur. On prend une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu, puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om shanti 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 hi. Merci à vous. Je vous souhaite encore une très très belle année 2024. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir financièrement en me faisant un don sur Tipeee à hauteur de vos moyens. Ça peut être 1 euro ou 300. voilà, chaque don compte, chaque don est important pour moi. Merci pour toutes celles et ceux qui le font déjà du fond du cœur. Et on se retrouve très vite sur notre tapis de yoga.